29 septembre 1900. Les âmes victimes sont des appuis pour Jésus. Entre Jésus et moi, plusieurs jours de silence se sont écoulés. Ils étaient accompagnés de peu de souffrances pour moi. De plus, il me semble que Jésus voulait continuer de m'éprouver pour exercer un peu plus ma patience. Voici comment. Quand il venait, il disait « Ma bien-aimée, du haut du ciel, je soupire après toi. Au ciel, je t'attends. » Puis comme un éclair, il se sauvait. Par après, il revenait et me disait « Désormais, cesse tes ardents soupirs. Tu me fais languir jusqu'à me faire perdre connaissance. » D'autres fois, il disait « Ton amour ardent, tes soifs, sont un repos pour mon cœur attristé. Mais qui peut tout dire ?» Il me semblait que Jésus voulait composer des vers. Parfois, il exprimait ses vers en les chantant. Cependant, sans me donner le temps de lui dire un seul mot, il disparaissait. Ce matin, mon confesseur ayant manifesté l'intention de me faire souffrir la crucifixion, j'ai vu la maman reine qui pleurait et se disputait presque avec Jésus pour que le monde soit épargné de tant de fléaux. Mais Jésus se montrait hésitant. C'est uniquement pour contenter sa maman qu'il a accepté de me faire souffrir. Plus tard, comme s'il s'était un peu apaisé, il me dit « Ma fille, c'est vrai que je veux châtier le monde, je tiens en main les fouets pour le frapper. C'est également vrai que si, ton confesseur et toi, vous vous intéressez à me prier et à souffrir, cela m'est un appui et vous me donnez ainsi le soutien dont j'ai besoin pour que le monde soit épargné, au moins en partie. Autrement, en ne trouvant aucun appui, de ma main libre, je me déchargerai sur le monde. » Cela dit, il disparut. Septembre 1912. L'âme la plus favorisée par Jésus. Jésus dispose lui-même des intentions de l'âme qui vit dans sa volonté. Savoir utiliser les choses terrestres dans la divine volonté. J'écris sur des choses du passé. Je me disais, le Seigneur a parlé à quelques-uns de sa passion, à d'autres de son cœur, à d'autres de sa croix. Et il a parlé de beaucoup d'autres choses. J'aimerais savoir qui a été le plus favorisé par Jésus. Mon aimable Jésus vint et me dit, ma fille, sais-tu qui a davantage été favorisé par moi? L'âme à qui j'ai manifesté les prodiges et la puissance de ma très sainte volonté. Toutes les autres choses sont des parties de moi, alors que ma volonté est le centre et la vie de toutes choses. Ma volonté dirigea ma passion, donna la vie à mon cœur et exalta la croix. Ma volonté enferme, saisit et active tout. Donc, elle est plus que tout. Par conséquent, la personne à qui j'ai parlé de ma volonté a été la plus favorisée. Combien ne dois-tu pas me remercier de t'avoir admise dans les secrets de ma volonté? La personne qui est dans ma volonté est ma passion, mon cœur, ma croix, ma rédemption même. Il n'y a aucune différence entre moi et elle. Tu dois être complètement dans ma volonté si tu veux prendre part à tous mes biens. Une autre fois, alors que je me demandais quelle est la meilleure manière d'offrir ses actions, en réparation, en adoration ou autrement, mon toujours bienveillant Jésus me dit « Ma fille, la personne qui vit dans ma volonté et qui agit parce que c'est moi qui le veux, n'a pas besoin de fixer ses intentions elle-même. Puisqu'elle est dans ma volonté, quand elle agit, prie ou souffre, je dispose de ses actes comme je le veux. Si je veux qu'elle fasse réparation, je la fais réparer. Si je veux de l'amour, je reçois ses actes comme des actes d'amour. Étant le propriétaire,
je fais de ces choses ce que je veux. Il n'en est pas ainsi pour les personnes qui ne vivent pas dans ma volonté. Elles disposent elles-mêmes de leurs choses et je respecte leur volonté. Une autre fois, ayant lu dans un livre à propos d'une sainte qui, en premier, n'avait presque pas besoin de nourriture et qui, par la suite, dut se nourrir très souvent, son besoin étant tel qu'elle pleurait si on ne lui donnait pas quelque chose. Je me questionnais par rapport à mon état, puisque, une fois, alors que j'avais pris très peu de nourriture, je fus forcée de la rendre, et que maintenant j'en prends davantage, et je n'ai pas à la rendre. Je me disais, Jésus béni, qu'est-ce qui se passe? Cela m'apparaît comme un manque de mortification de ma part. C'est ma méchanceté qui me conduit à ces misères. Jésus vint et me dit, « Veux-tu savoir pourquoi? Je vais te réjouir. » Au commencement, pour que l'âme devienne complètement à moi, pour la vider de tout ce qui est sensible et pour placer en elle tout ce qui est céleste et divin, je la détache même de la nécessité de la nourriture, de telle manière qu'elle n'en a presque plus besoin. Ainsi, elle touche du doigt que seul Jésus suffit, que plus rien ne lui est nécessaire. Elle s'élève très haut, méprise tout et ne se préoccupe de rien. Sa vie est céleste. Par la suite, après avoir entraîné l'âme pendant des années et des années, ne craignant plus que sa sensibilité puisse jouer le moindrement en elle, puisqu'après avoir goûté au céleste, il est presque impossible qu'une âme puisse apprécier les choses terrestres, je la ramène à la vie ordinaire, car je veux que mes enfants prennent part aux choses que j'ai créées par amour pour eux, mais selon ma volonté, non leur volonté. Et c'est seulement par amour pour ses enfants que je nourris les autres enfants. Le fait de voir ces célestes enfants user des biens naturels avec détachement et selon ma volonté est pour moi la plus belle réparation pour ceux qui usent des choses naturelles hors de ma volonté. Comment peux-tu donc dire qu'il y a du mal en toi à cause de ce qui t'arrive? Pas du tout. Qu'est-ce qu'il y a de mal à prendre dans ma volonté un peu plus ou un peu moins de choses terrestres? Rien, rien. Dans ma volonté, il ne peut se trouver rien de mal. Tout y est bien, même au milieu des choses les plus insignifiantes. Septembre 1931. Croissance de la créature devant la divine majesté. Vivre dans la divine volonté est un don que Dieu fera à la créature. Je faisais ma ronde dans la divine volonté pour suivre tous ces actes accomplis par amour pour nous. Et, arrivé en Éden, je m'arrêtai à l'acte où Dieu créa l'homme. Quel moment solennel! Quel enthousiasme d'amour! Un acte que l'on peut appeler très pur, complet, substantiel et ininterrompu d'amour divin. Comme l'homme a été formé, a eu son commencement, est né dans l'amour de son Créateur, il était juste qu'il grandit comme il avait été pétri et animé par le souffle, comme une petite flamme de la laine de celui qui l'aimait tant. Je pensais à cela lorsque mon doux Jésus me dit, en visitant ma petite âme, « Ma fille, la création de l'homme n'était rien d'autre qu'une effusion de notre amour. Mais, si bien qu'il lui était cependant impossible de tout recevoir en lui-même, n'ayant pas la capacité de recevoir en lui un acte de celui qui lui avait donné le jour. C'est pourquoi notre acte est resté à l'intérieur et à l'extérieur de lui, afin qu'il puisse l'utiliser comme nourriture pour grandir devant celui qu'il avait créé avec tant d'amour et qu'il aimait tant. Et comme
Ce n'était pas seulement notre amour que nous déversions en créant l'homme, mais toutes nos divines qualités, la puissance, la bonté, la beauté, etc., se sont également répandues au dehors. Et avec ce déversement de nos divines qualités, la table céleste demeurait toujours préparée à la disposition de l'homme, qui pouvait, quand il le désirait, venir s'asseoir à la table céleste pour se nourrir de notre bonté, puissance, beauté, amour et sagesse, et grandir devant nous avec ces mêmes divines qualités et le modèle de notre ressemblance. Et chaque fois qu'il venait en notre présence pour prendre une gorgée de nos divines qualités, nous le prenions sur nos genoux pour se reposer et digérer ce qu'il avait pris, afin qu'il puisse se nourrir à nouveau de nos mets divins, pour former sa croissance complète de bonté, de puissance, de sainteté et de beauté, comme le désirait notre amour et le voulait notre volonté. Lorsque nous faisons un travail, notre amour est si grand que nous donnons et préparons tout pour que rien ne puisse manquer à notre œuvre. Nous faisons des œuvres complètes, jamais à moitié, et s'il semble manquer quelque chose, c'est à cause de la créature qui ne prend pas tout ce que nous avons servi pour son bien et pour notre gloire. Après quoi, je continuais à penser à la divine volonté. Et mon bien-aimé Jésus ajouta : Ma fille, la vie dans la divine volonté est un don que nous faisons à la créature, un grand don qui dépasse en valeur, en sainteté, en beauté et en bonheur tous les autres dons, d'une manière infinie et insurpassable. Lorsque nous accordons ce don si grand, nous ne faisons rien d'autre qu'ouvrir les portes pour rendre la créature propriétaire de nos divines possessions, un lieu où les passions et les périls n'ont plus vie et où aucun ennemi ne peut la blesser ou lui faire mal. Le don confirme la créature dans le bien, dans l'amour, dans la vie même du Créateur. Et le Créateur demeure confirmé dans la créature, de sorte qu'il y a entre l'un et l'autre inséparabilité. Avec ce don, la créature sentira que son sort a changé. De pauvre, elle deviendra riche. Malade, elle se rétablira parfaitement. Malheureuse, elle sentira que tout s'est transformé pour elle en bonheur. Vivre dans le don de notre volonté est très différent de faire notre volonté. Le premier est un prix, une prime, et c'est notre décision de conquérir la créature avec une force invincible et irrésistible, de remplir la volonté humaine de façon sensible, de sorte qu'elle touchera de sa main et avec clarté le grand bien qui lui vient. Qu'il faudrait être fou pour sortir d'un tel bien, parce que, tant que l'âme est en voyage, les portes ne se referment pas derrière le don, mais restent ouvertes, si bien que librement et sans être forcée, l'âme peut vivre dans notre don. D'autant plus qu'avec ce don, elle ne fera pas notre volonté par nécessité, mais parce qu'elle l'aime et qu'elle est sienne. Par contre, faire notre volonté n'est pas une prime, mais un devoir et une nécessité que l'âme doit subir, qu'elle le veuille ou non. Et les choses qui sont faites par devoir et par nécessité, si elles peuvent s'échapper, elles s'échappent, parce qu'entre elles n'entre pas l'amour spontané, qui fait que l'on aime et reconnaît notre volonté comme étant digne d'être aimée et connue. La nécessité cache le bien qu'elle contient et fait sentir le poids du sacrifice et du devoir. Au contraire, la vie dans notre vouloir n'est pas un sacrifice, mais une conquête
Ce n'est pas un devoir, mais de l'amour. La créature se sent perdue dans notre don, et elle l'aime, non seulement comme notre volonté, mais aussi parce qu'elle lui appartient exclusivement. Et ne pas lui donner la première place, le règne, la domination, serait ne pas s'aimer elle-même. Or, ma fille, c'est cela que nous voulons donner à la créature. Notre volonté comme don, parce que la regarder et la posséder comme étant à soi, fera qu'il sera facile de lui laisser former son royaume. Ce don avait été fait à l'homme en Éden, et il l'a rejeté avec ingratitude. Mais notre volonté n'a pas changé. Nous le gardons en réserve. Et ce que l'un a rejeté, avec des grâces plus surprenantes, nous le gardons prêt à être donné aux autres, peu importe le temps. Parce que pour nous, les siècles sont comme un seul point. Il faut cependant de grandes préparations de la part des créatures pour connaître le grand bien de ce don, afin de soupirer après lui. Mais le temps viendra où notre volonté sera possédée comme un don par la créature.